vous avez reçu. J'espère qu'on te gâtera ça tous les coups sur coup. Au premier, vous avez eu honte, mais quoi, on s'habitue à tout. Du monde, si quelqu'un vous gifle, on commence par se froisser. Ça soit une baigne ou une mornifle, vous assure qu'on l'a sans passer. La première fois, c'est embêtant, mais si ça vous arrive tout le temps, on s'y fait, petit à petit. D'abord, n'écoute tant que son courage, on dit à tout son entourage, j'ai reçu un soufflet, ça n'est pas gentil. Puis avec sagesse, on l'encaisse et l'on s'y fait petit à petit. Tenez, une chose qui m'exaspère, c'est le sang-jet d'un chirurgien qui maintenant froidement vous opère pour un rien, oui, mais pas pour rien. Il vous charcute, il vous trépane, pénètre dans votre intérieur, puis tripotant tous vos organes, il prend les morceaux les meilleurs. Vos appendices sont tous enlevés, même ceux qu'on voudrait conserver. On s'y fait, petit à petit. Praticien vous dit, je n'ai pas de chance, je crois qu'il faudra que je recommence. Moi d'après, il reparaît avec ses outils, en disant j'abuse, mais ça m'amuse, et on s'y fait petit à petit. La première fois qu'il vous arrive, c'est écrasé par un taxi. On se répand en invective, et le chauffeur vous engueule aussi. La deuxième fois, on ne fait pas de phrase, on prend un taxi à son tour. Et c'est les autres qu'on écrase, à 100 à l'heure dans les carrefours. D'abord on plaint les pauvres piétons, et puis comme on s'en fout au fond. S'y fait, s'y fait, petit à petit. En passant gaiement sur les vieilles dames aussi, n'en faisons pas un drame. Dans la vie, en effet, un homme averti pense sur bien des choses, et pour cause, et l'on s'y fait petit à petit. Être cocu, c'est un fou rude, on rit jaune rien qu'en y pensant. Ça vient du manque d'habitude, mais ça n'est pas déshonorant. D'abord on dit de cette offense, je me vengerai, Dieu merci. Moi cocu, mais bientôt l'on pense que Napoléon le fut aussi. Être cocu, c'est embêtant, ça vous agace cependant. On s'y fait, petit à petit. Au bout de quelques temps, l'on s'en fiche, et même lorsque l'autre est riche, on se tait, et puis on se dit, je suis aventure, ma voiture, et l'on s'y fait petit à petit.